Clara Luciani mauvaise séductrice. Si artistiquement, la chanteuse a réussi à conquérir le cœur de milliers de fans, dans sa vie privée la jeune femme a un peu plus de difficultés à jouer de ses charmes. Des difficultés à plaire qu'elle aborde d'ailleurs dans un de ses derniers titres, intitulé « Je sais pas plaire ». Celui-ci n'a pas manqué d'interpeller les équipes de C'est à vous, qui ont interrogé l'artiste de 28 ans à ce sujet, alors qu'elle était l'invitée du talk show de France 5 ce jeudi 17 juin. Pour plaire il faut d'abord savoir se plaire, si est-ce peut-être ce que j'avoue dans cette chanson que des fois j'ai encore un petit peu du mal avec moi-même a-t-elle commencé avant de poursuivre, et puis en dehors de ça, j'ai jamais été une très grande séductrice, je ne suis pas vraiment celle qu'on remarque à la soirée a-t-elle lâché. Pourquoi Clara Luciani est-elle complexée? L'interprète de Le Reste est aussi revenue sur le message fort qu'elle avait publié sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines, au moment de la sortie de sa couverture pour le magazine Elle, « Je dédie cette couverture de Elle à tous mes bourreaux de la cour d'école, à mes parents qui m'ont inlassablement consolé d'être la moche et la grande perche. J'aimerais bien que mon histoire serve d'exemple à tous ceux qui me lisent et qui doutent d'eux, réjouissez-vous de vos aspérités. À la fin si est-il vous qui gagnerez. » Avait-elle écrit, comme pour témoigner d'une petite revanche sur son enfance. C'était la volonté quand même de porter ce message d'espoir parce que je trouve que si est-il ça aussi quand on nous tend le micro, si est-il d'avoir la chance de pouvoir quand même délivrer des messages forts a-t-elle expliqué. Ses complexes et ses blessures d'enfance, Clara Luciani les avait déjà évoquées récemment dans un entretien accordé au magazine Biba. À 11 ans, je faisais un M76, j'étais la fille pas jolie, sans amis et à qui on ne voulait pas parler dans la cour de récré, se souvient-elle d'abord. Une époque qui n'a pas été de tout repos pour la jeune femme, encore aujourd'hui, j'ai du mal avec mon image et, clairement, les séances photos, ce n'est pas ce que je préfère affirmait-elle en regrettant que l'on confonde parfois le métier de chanteuse et celui de mannequin. Elle s'était toutefois réjouie de pouvoir compter sur le soutien à toute épreuve de son public, qui l'a aidé à accepter ses aspérités, heureusement l'amour du public m'a porté. A-t-elle concédé ?